Bonjour les enfants, c'est maîtresse Sophie. Nous allons travailler à partir de nos quadrillages que je vous ai envoyés en plaisante par mail. Vous pouvez soit les regarder directement sur l'ordinateur, soit les regarder sur le téléphone de vos parents, soit les imprimer, c'est plus facile pour manipuler. À vous de voir. Dans un premier temps, on va regarder le quadrillage A et je voudrais qu'on observe le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Nombre de lignes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 lignes. 6 lignes. Nombre de colonnes, ou de cases par ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 cases dans chaque ligne. 10 cases par ligne. Est-ce que je peux écrire le nombre total de cases dans mon quadrillage A? Et pour ça, je voudrais trouver des additions. Qu'est-ce que je peux écrire comme addition qui me permette de calculer l'ensemble de toutes les cases du quadrillage A? Vous cherchez un peu, soit sur une ardoise, soit sur une feuille de brouillon. Voici la solution. On écrit 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Il y a 6 lignes de 10 cases. Ce qui nous fait 10 plus 10, 20, plus 10, 30, plus 10, 40, plus 10, 50, plus 10, 60. Est-ce qu'on peut écrire une autre addition? Oui, si on compte le nombre de colonnes, nous avons 10 colonnes. Une colonne, c'est ça. Donc nous avons 10 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 colonnes. Et nous avons dans chaque colonne 6 cases. 6 cases par colonne. Donc nous pouvons aussi écrire une addition. Réitérer. 6 plus 6, ça fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois. Et ça fait aussi 60. J'ai écrit les deux additions qui étaient possibles d'écrire pour calculer le nombre total de cases. Maintenant, je voudrais qu'on écrive cette addition réitérée sous la forme d'une multiplication pour pouvoir trouver le nombre total de cases dans le... Donc, à partir de cette addition et à partir de celle-là. Quelles sont les deux multiplications qu'on peut écrire? Vous cherchez un peu? Donc nous avons une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois 10. 6 multiplié par 10. Égale 60. Et ici nous avons une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois, dix fois, 6. 10 fois 6 égale 60. Je crois que j'ai fait une erreur dans mon... C'est pas 10 là, c'est 60. Et maintenant, nous allons un petit peu observer quand nous multiplions un nombre, donc ce nombre c'est 6, par 10, que se passe-t-il? Eh bien, nous écrivons ce nombre et nous lui rajoutons
un 0 ici. Donc le nombre 6 ici, il a été multiplié par 10 aussi. On a écrit 6 ici, qu'on retrouve, hop, comme là. Et on a ajouté le 0 du 10 à la fin du calcul. Très bien. À vous maintenant de chercher combien de cases a le quadrillage B en multiplication. Et la même chose avec le quadrillage C. Je vous donnerai la solution après. À vous de travailler.